Bonjour, voilà. Alors j'aimerais vous faire un commentaire de cette vidéo qui, à mon avis, est une vidéo très précieuse d'Internet. C'est une vidéo qui regroupe, qui condense un savoir énorme. Je pense que s'il y avait une disparition de tous les fichiers présents sur Internet et qu'il fallait en sauvegarder une dizaine, une vingtaine, je pense que cette vidéo fait partie des choses qui sont souhaitables de sauvegarder parce qu'elle condense une quantité de savoir énorme. C'est une vidéo qui va présenter l'histoire de l'humanité sur des cartes. C'est une carte dans le temps va défiler et on va avoir une carte de l'histoire de l'humanité. Alors évidemment, c'est l'histoire officielle et donc elle est sujette à peut-être être modifiée par des découvertes futures ou peut-être qu'elle est fausse en partie. Il y a aussi un autre problème qu'on peut soulever sur cette carte, mais c'est le cas de toutes les cartes, c'est que c'est une abstraction, donc il y a des décisions à des moments qui sont arbitraires. Par exemple, la séparation entre Advanced Culture, donc culture avancée, et embryonic civilisation, civilisation embryonnaire, c'est un peu arbitraire. À quel moment est-ce que c'est vraiment une civilisation embryonnaire, une culture avancée? Difficile à distinguer. Mais on voit que là, toute l'humanité est en culture avancée, donc j'imagine que c'est sans doute le fait de faire un peu de poterie, le fait d'avoir des toits, des habitations, ce genre de choses. Et embryonique civilisation, civilisation embryonnaire, c'est certainement le fait d'avoir un peu de hiérarchie, un peu de lien culturel entre des habitants sur un territoire. Donc on voit déjà que Sumer est passé en civilisation embryonnaire. Donc Sumer, considéré comme le premier embryon de civilisation. Et c'est notamment, très certainement, parce que ils pratiquent l'écriture, et donc ils ont un début d'administration, ils comptent les ressources, ils administrent les ressources, ils administrent le territoire. Et donc, voilà, les Sumériens. On voit aussi que l'Égypte est déjà peuplée, on voit la forme du Nil. On voit le Nil, je sais pas, oui, voilà, on voit ma souris. On voit le Nil là, c'est-à-dire que la proto-civilisation égyptienne se construit sur le Nil. Et voilà, première civilisation considérée comme... J'ai décidé, en plus de la carte, de vous adjoindre dans le haut de l'écran, du côté du Canada, où il va pas se passer énormément de choses, de vous adjoindre des images de ce livre pour vous donner quelques costumes. J'essaierai de faire coïncider les costumes avec le moment dont il est question sur la carte. Je ne sais pas si je vais parvenir parce que, évidemment, les costumes sont pas listés. Ils sont listés dans l'ordre chronologique, mais la proportion du temps et des pages de costumes n'a pas été faite de manière proportionnelle. Évidemment, il y a plus de costumes grecs et de costumes de certains empires dont on a beaucoup de traces et qu'on a beaucoup voulu mettre en avant dans certains livres. Du coup, voilà, pour vous donner quelques images, quelques suppléments. De toute manière, si vous voulez la carte pure, vous pouvez la trouver en description de la vidéo. J'espère que ce complément pourra donner quelques images, quelques rêveries de plus à cette carte de l'histoire de l'humanité. Civilisation avancée. Là, cette transition est un peu hasardeuse. Qu'est-ce qui fait qu'on est un embryon ou une civilisation avancée? Je ne sais pas. Mais on voit que désormais, il y a des civilisations avancées dans cette zone qu'on appelle le croissant fertile. Donc c'est l'actuel Irak, l'actuel Égypte. On voit que déjà à Minos, il y a une civilisation avancée. Et on voit aussi qu'il y a des civilisations avancées qui se forment en Inde, tout autour de l'Inde. Et on va bientôt en voir apparaître en Chine. Donc voilà, les berceaux des premières civilisations considérées comme vraiment avancées, qui pratiquaient l'écriture, qui pratiquaient l'administration, et déjà la guerre sur de vastes territoires. Vous voyez, là, les frontières sont déjà en train de bouger, donc il y a déjà des conflits des conflits de large envergure entre ces peuples. Je connais assez mal l'Antiquité, le début de l'Antiquité. Donc il va se produire plein de choses ici, avec différents empires que je connais assez mal, donc je pourrais pas tant les commenter que ça. Je vais éviter de dire des choses trop hasardeuses. On voit que les Sumériens, voilà, les Sumériens établissent déjà ce qui est les premiers très gros empires, c'est-à-dire ils prennent le contrôle sur d'autres pays et ils établissent leur ordre, leur légitimité sur les autres, sur d'autres régions qui se... Donc là, c'est les premières grandes guerres de conquête. On voit que la civilisation avancée est née en Chine.
Je vais peut-être baisser un peu la musique. Voilà, les Grecs sont passés du stade de culture avancée à civilisation embryonnaire. Donc on va certainement bientôt voir la naissance de ce qui formera plus tard la culture grecque. Vous voyez que toute la Méditerranée est en train de s'imprégner de la culture, parce que plusieurs peuples marchands vont irriguer toutes les côtes de leurs denrées et de divers produits. Et d'ailleurs, à cette époque-là, dans cette zone, si vous pensez pas que... Attendez, il faut que je baisse la musique pour moi, en fait. Hop. On a déjà des débuts de, par exemple, d'assurance. On se dit l'assurance c'est quelque chose de moderne. Non, il y a déjà des débuts d'assurance dans ces zones. Par exemple, l'assurance est née pour le commerce. C'était que si tu avais des bateaux de commerce, par exemple, tu avais un bateau de commerce, que tu l'envoyais et que tu gagnais ton argent avec ça, et qu'il faisait naufrage, tu perdais tout. Et donc, on a commencé à mutualiser les risques notamment dus au commerce et au bateau, en disant, mais moi, ce que je te propose, c'est que je prends une petite part sur chacun de tes voyages, mais si ton bateau coule, eh ben, je te le rembourse. Et donc, on a commencé à avoir les premiers phénomènes d'assurance. Voilà, non, l'Empire égyptien, l'Empire hittite, tout un tas d'empires, et voyez ce qui va donner la civilisation grecque, ici qui est née. Vous voyez que les Germains sont au nord, ils sont pas en Allemagne. Les Germains sont encore en Scandinavie. Les Germains sont encore en Scandinavie et ils vont bientôt descendre en actuelle Allemagne. Enfin bientôt, pas tout de suite. Voyez les Grecs qui s'emparent de petites îles là de ce côté. Les Grecs qui ont déjà aussi pris là ce morceau ici, et ils vont bientôt installer des ports de commerce un peu partout, des colonies grecques. Il va bientôt y avoir des colonies grecques un peu partout le long de la Méditerranée. Donc là, on est en moins 1000 avant Jésus-Christ. On est en moins 1000 avant Jésus-Christ. Vous voyez le. Israël qui s'est formé. Royaume d'Israël. Je vais commencer à pouvoir commenter vraiment fort à partir de l'Empire romain. Avant l'Empire romain, effectivement, je connais très mal les différents empires, les différents événements. Je les connais, mais pas assez pour pouvoir faire des commentaires sûrs. Mais quoi qu'il se passe, chaque fois que vous voyez cette carte là bouger, que vous voyez les couleurs changer, c'est qu'il y a des guerres énormes, c'est qu'il y a des complots pour réinstaurer une nouvelle façon de penser, un nouveau, des nouvelles hiérarchies, des nouveaux. Voilà, la naissance de Carthage. J'ai loupé la naissance de Carthage. Et voyez les colonies grecques, voilà, qui s'installent un peu partout. Donc là, par exemple, vous avez les. Ah, je me souviens plus. Je crois que c'est Syracuse. Donc, des penseurs grecs ont dit, ah, c'est la philosophie grecque, c'est les mathématiciens grecs, mais ils n'étaient pas sur le territoire qu'on appelle actuellement la Grèce. Certains venaient de ce qu'on appelle actuellement la Turquie, d'autres de l'Italie, d'autres de diverses colonies. Donc, vous voyez, colonies grecques. Au niveau de où il y a actuellement Marseille. Quoique Marseille est peut-être juste là, mais le sud de la France. Donc Carthage, on voit Carthage qui est déjà bien grosse, qui prend le contrôle de, pareil, plusieurs colonies, c'est-à-dire que c'est aussi très tourné sur la mer, un très grand empire, Empire Achéménide.
Et là, voyez, voyez là, conflit entre Empire Achéménide et la Grèce, et vous avez tous en tête le film 300, donc c'est la bataille des Thermopyles. Donc voilà, la bataille des Thermopyles, c'est une guerre entre cet empire-là et la Grèce. Les Achéménides essayent d'envahir la Grèce, et donc les Grecs se réunissent, et là on a un conflit énorme qui, bah, qui permettra, par la victoire des Grecs, de sauvegarder certainement la culture grecque, et voilà, hop, là... C'était Alexandre le Grand, voilà. Conquête d'Alexandre le Grand, puis mort d'Alexandre le Grand, puis séparation de son empire. Voilà, on a la naissance de Rome, en jaune là, naissance de Rome. Donc d'abord Rome prend le contrôle de la péninsule italienne, puis des îles, et là Carthage passe par l'Espagne, Carthage vient, passe par le Saint-Bernard, attaque Rome, bataille de Cannes, c'est un massacre énorme pour l'armée romaine. Et Rome décide de détruire Carthage. Carthage est un trop grand problème, donc bientôt on va voir la destruction de Carthage par Rome. Donc là, il y a des guerres successives, voilà la destruction de Carthage. Scipion l'Africain, qui est un général romain, détruit Carthage. Carthage est morte définitivement. Rome va pouvoir s'étendre sur toute cette zone et prendre le contrôle de tout ça. Donc, on voit aussi que Rome a déjà pris le contrôle de la Grèce. Rome vient, voilà, prend le contrôle de l'actuel Israël. Et Rome va bientôt prendre le contrôle de l'Égypte. Voilà, Rome a pris le contrôle de l'Égypte. Rome possède la Méditerranée. La mer Méditerranée est entièrement sous contrôle romain, et ils vont d'ailleurs la renommer Mare Nostrum, c'est-à-dire notre mer. Donc voilà, la Mare Nostrum. Et là, on va rentrer dans une période qu'on peut appeler la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine. C'est-à-dire que Rome est extrêmement stable, en tout cas sur un point de vue de ses frontières, d'un point de vue militaire, Rome est extrêmement stable. Il n'empêche que c'est la période où il y aura énormément tout de même de complots, d'assassinats, il y aura Agrippine, il y aura tout des empereurs qui vont successivement hériter l'un de l'autre et gérer le pouvoir. Et... Donc, évidemment, je connais beaucoup moins ce qui se passe en Inde et en Chine, et je pense que quelqu'un qui connaît la culture chinoise et la culture indienne pourrait commenter au même titre que ce que j'ai commenté du côté de l'Occident, ce qui se passe en Inde et en Chine. Et pareil au niveau de la Corée, etc. Alors là, on voit, hop, l'Empire romain a conquis l'Angleterre, l'actuelle Angleterre, et il y a des problèmes à monter au nord. Il y a les Pictes au nord, et les Romains n'ont jamais réussi à prendre entièrement l'Angleterre, et d'ailleurs, ils ont construit ce qu'on appelle le mur d'Adrien. Enfin, c'est Adrien, l'empereur Adrien, qui a construit un énorme mur pour bloquer le passage vers le nord, parce que les Pictes, ils n'arrivaient pas à combattre les Pictes. Certainement, surtout parce que l'Empire n'avait pas envie d'envoyer des moyens énormes pour aller prendre ces terres qui servent à rien. Voilà, Empire des Huns, donc les Huns attaque cette région, et là, hop, l'Empire est très déstabilisé. On voit que là, il y a eu la bataille des champs cataloniques, c'est-à-dire que finalement, c'est les Francs qui ont repoussé les Huns et pas l'Empire. L'Empire est tombé, j'ai à peine eu le temps d'expliquer. Les Ostrogoths ont pillé Rome. Rome est tombée, l'Empire d'Occident est tombé. Il reste l'Empire d'Orient qui essaye de reprendre. Sur les peuples barbares. Voilà, les Francs, j'ai loupé la naissance des Francs, et donc les Francs ont envahi ce qu'était la Gaule avant, et les Francs forment désormais un assez grand empire qui va bientôt devenir l'empire de Charlemagne, Charlemagne qui sera un des rois francs. On voit que l'empire, ils l'ont passé sous l'appellation Empire Byzantin, parce qu'effectivement, ils ne possèdent plus Rome, c'est l'empire de Byzance. Là, on a la naissance de l'islam. L'islam est né, donc on a le premier califat, le deuxième califat, on a des califats qui vont succéder, et voilà, qui vont former un empire énorme. Donc là, très très grande rivalité entre l'empire byzantin et les califats islamiques. Empire byzantin qui est chrétien, voilà, le califat islamique qui envahit l'Europe par l'Espagne. La bataille de Poitiers, ils sont repoussés par Charles Martel. Ils restent en Espagne, donc l'Espagne est musulmane à cette époque, et c'est... C'est Cordoue, comment on appelle ça, c'est le califat de Cordoue, je pense, je sais plus le terme, mais c'est voilà, c'est Cordoue. Donc là, Francia, donc ça c'est le royaume de Charlemagne. Charlemagne a un fils, Louis le Pieux, et à sa mort, Louis le Pieux fait hériter ses trois fils, puisque les Francs appliquent encore le partage salique, c'est-à-dire que c'est un partage équitable entre les fils. Et donc il y a une division comme ça de l'Empire de Charlemagne. Donc il y a coupure en trois, mais celui du milieu, évidemment, est coincé entre les deux autres, et donc il perd très rapidement le contrôle du centre, et ça donne l'Italie. Donc à partir de là, division en trois de l'Europe, qui donnera la partie germanique, la partie française et la partie italienne.
parties italiennes et germaniques qui vont n'avoir de cesse de se mélanger. Mais en tout cas, division voilà, très forte de ces deux parties. On voit que les Vikings, donc des peuples qui étaient en Norvège et au Danemark, ont colonisé l'Islande et commencent à coloniser le Groenland. Puis en quelques colonies là, alors c'est presque ridicule de parler de colonies parce que c'était deux fermes avec trois moutons. Mais bon, ils sont quand même allés en Amérique par le nord. Donc colonisation, voilà. Le Saint-Empire romain germanique qui s'est formé. Donc il y a fusion, comme je le disais, de l'Italie et de l'actuelle Allemagne. Donc qui sont deux descendances de l'Empire de Charlemagne. On voit que l'Espagne est en train de repasser en main chrétienne. Donc on a le royaume de Léon et de Castille. Voilà, qui sont unifiés, le royaume de Navarre, la France va bientôt devenir la France de France et de Navarre, les rois de France seront aussi rois de Navarre. Donc là, il y a la Reconquista, c'est-à-dire que les chrétiens reconquièrent l'Espagne qui était passée en main musulmane. Attention, il va bientôt se passer des trucs dans l'Empire byzantin. L'Empire byzantin est en train de perdre vraiment de la force, vous voyez. Et on va bientôt avoir la naissance des Ottomans. Les Ottomans vont bientôt naître par là. Alors là, on a loupé l'Empire mongol, évidemment, gigantesque empire, très grand massacre à Bagdad, très grand massacre en Chine, empire mongol énorme, gigantesque, des massacres énormes contre les musulmans, contre Bagdad, contre les Chinois, ici aussi certainement, enfin, un très grand empire qui se divise aussi très rapidement. On voit la France, on voit que l'Aquitaine passe en main anglaise, et la Bretagne passe en main anglaise, voilà, regardez la France comme elle est morcelée, y a l'Angleterre n'aura de cesse que de reprendre par des jeux d'alliance et de pouvoir des zones d'influence en France, et ça donnera évidemment la guerre de 100 ans. L'Espagne qui a été pratiquement entièrement reprise, Byzance qui va bientôt tomber, regardez, il reste plus que la ville de Byzance elle-même et quelques petits morceaux dans la Grèce, donc l'Empire Ottoman, voilà, Byzance est tombé, l'Empire Ottoman qui attaque bientôt la Hongrie et l'Autriche, enfin qui attaquera bientôt la Hongrie et l'Hongrie et l'Autriche, Empire Ottoman qui est musulman. Regardez, hop, l'Espagne qui colonise le Nouveau Monde, qui va bientôt mettre fin à toutes les civilisations avancées présentes sur le territoire américain. Voilà, destruction totale de toutes les civilisations avancées sur le territoire américain. Et regardez, intéressant, Portugal et Espagne. Le Portugal possède le Brésil. Pourquoi ? Parce que quand ils ont découvert le Nouveau Monde, ils se sont dit, on va pas se battre entre nous, on va essayer d'être copains nous deux. Et donc ils ont divisé le monde, et les Espagnols croyaient faire une bonne affaire en prenant toute la partie qui est à l'ouest. Mais en fait, ils n'ont pas vu que le Brésil était de ce côté, donc les Portugais ont hérité du Brésil. Donc voilà, empire ottoman qui assoit sa légitimité. Voyez là, sur l'actuelle Allemagne, toute cette division, conquête du Canada et conquête de bientôt la Louisiane, voilà, par les Français. Donc l'Amérique est pratiquement française là, à cette époque. Sauf que sur les côtes, il y a des colonies anglaises. Le Saint-Empire romain germanique qui s'est divisé, regardez comme c'est tellement petit, on pourrait pratiquement refaire une histoire complète, tellement c'est complexe ce qui se passe en Allemagne là, et chaque petit duché, chaque petit truc, etc. Alors là ça commence à aller beaucoup trop vite pour que je raconte tout. Napoléon, voilà, Napoléon qui annexe la suite, Napoléon qui attaque l'actuelle Allemagne, l'actuelle Espagne et qui a essayé d'envahir la Bretagne, donc Napoléon finit, révolution américaine, donc l'Amérique prend l'indépendance de l'Angleterre. Empire ottoman qui attaque l'Autriche, voilà, siège de Vienne, etc. Il se passe beaucoup trop de choses pour que je puisse dire quoi que ce soit. Ah, formation, voilà, attention, là je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière parce que après on fera un point de détail plus précisément sur cela. Regardez ce qui va se passer là, l'Allemagne. Elle est toute morcelée et d'un coup, tac, ça c'est Bismarck. Bismarck envahit la France, bataille de Sedan, la France perd. Il y a la Commune de Paris, la France est en déroute, et là, Bismarck commence à écrire des lettres. Et je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, des lettres de Bismarck. Union soviétique, on a loupé les guerres mondiales. Vous voyez, comme ça passe tellement vite, on a loupé les guerres mondiales. Donc, voilà, première guerre mondiale, attention, tac, première guerre mondiale, voilà. formation de l'Union soviétique, attention, deuxième guerre mondiale. Là, on va quand même la voir, ça va être très... Voilà, Deuxième Guerre mondiale, tac, fini. Séparation de l'Allemagne en plusieurs entités. Donc, voilà, on a loupé la colonisation, mais maintenant c'est l'indépendance. Donc vous voyez que tous les pays redeviennent indépendants.
Et maintenant, à partir de là, c'est... Il n'y a plus que la division de l'URSS, puis il y aura quelques petites choses dans les Balkans, quelque chose, deux, trois choses en Afrique, mais à présent, on a la carte à peu près moderne, qu'on connaît tous. On est en 2016. Alors effectivement, c'est allé très très vite. Là, j'ai eu du mal à suivre au moment du Moyen-Âge et de la Renaissance, effectivement. Mais, donc voilà, une carte formidable. Et je vous invite à aller la regarder vous-même et à souligner des événements historiques que vous-même, vous connaissez. Et il y en a plein que je connais que j'ai pas souligné, mais ça va dans tous les sens. Il se passe des choses à ne plus savoir où donner de la tête. Des batailles, on voit des batailles. Par exemple, la bataille de Poitiers, on la voit. On voit littéralement la bataille de Poitiers. On voit littéralement Napoléon, c'est pareil. On voit littéralement Napoléon qui va en Russie. Attendez, il faut aller plus loin. Voilà. Empire français. Voilà, Napoléon et... Tac, la Russie et hop, il est repoussé. Qu'est-ce que... Voilà, je sais pas si je vais parler de la lettre de Bismarck. En fait, je vais juste vous inviter à aller écouter une autre vidéo qui parle de la lettre de Bismarck. Mais c'était pour vous dire que à chacun de ces moments, à chaque fois que la couleur change sur cette carte, il se passe des choses. Il se passe des choses énormes. Il y a des guerres, il y a des bouleversements de culture, il y a des bouleversements de civilisation, il y a des bouleversements de tout un tas de choses. Pas à chaque fois de religion, parce que là, plusieurs cultures ont la même religion. Par exemple, ottoman et... les rouges et les bleus... Non, les rouges, donc les cultures germaniques et les cultures latines... ils sont les deux chrétiens, mais voilà, ça nous donne quand même des indications culturelles sur les différentes influences. Et voyez par exemple la Suisse, là, elle est très difficilement discernable de l'Allemagne, mais elle est tout de même indiquée. Elle est tout de même indiquée, mais elle est de culture germanique. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce tout petit événement, sur cette carte, c'est un tout petit événement, quand la France est envahie par l'Allemagne. Après une déclaration de guerre de la France, il me semble. La France perd cette guerre, et l'Allemagne est formée. L'Allemagne est formée, Bismarck proclame l'Allemagne à Versailles. C'est-à-dire que c'est à Versailles que l'Allemagne a été proclamée, que l'union de l'Allemagne a été proclamée. Bismarck écrit une lettre, et il dit à un de ses agents qui est en France de faire des choses qu'on apparente à un complot, en fait. À l'heure actuelle, on parle des théories du complot, ouais, c'est des trucs farfelus. Bismarck écrit une lettre, et il dit « Vous allez mentir sur la monarchie, vous allez mentir sur la religion catholique, vous allez pousser la France, vous allez pousser les Français à adhérer à la République, ça va encrasser la France dans tout un système avec des avocats, des choses pas possibles. » Donc Bismarck complote, c'est ce qu'on, à l'heure actuelle, on appelle un complot. Il émet en secret des choses. Il dit à ses agents en France de faire des effets sur la population en finançant les bons journaux, en mettant en avant les bonnes personnes pour faire des effets sur la population française. Eh bien, cet événement, sur la carte, il est minuscule. Il est sur cette carte, voilà, attention, ça va être par là. Cet événement, voilà, là, hop, voilà, Commune de Paris, etc. Donc, ce petit mouvement, il implique des choses énormes, parce que là, je vous ai rien dit de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il s'est passé des choses énormes, il y a eu la Commune de Paris, il y a eu tout un tas d'affaires, des milliers de choses, des millions de choses. Et bien, ce que je veux vous dire, c'est que, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui bouge, là, sur la carte... Il s'est passé des choses du même type. Il y a un empereur ou un roi ou des gens qui ont dit « Il va falloir faire ceci pour le peuple d'en face, pour qu'il adhère à nos valeurs. Il va falloir détourner ceci, changer cette version de l'histoire, changer celle-ci, changer celle-là. » Et d'ailleurs, peut-être que la carte même que je vous montre, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il fallait la montrer telle qu'elle est et pas telle qu'elle aurait pu être autrement. Peut-être que si un autre empire avait gagné je ne sais quelle bataille sur la zone qui est la mienne... Peut-être que ma carte, la carte qui me serait présentée, serait différente. C'est-à-dire que même avec la version qui est entièrement officielle, cette version est certainement
totalement officielle, elle présente rien de farfelu, ou pas grand-chose de farfelu. C'est gigantesquissime, tout ce qui se passe à chaque fois. Et je trouve ça bas de considérer qu'il y aurait plus, que ces choses ne se pratiqueraient plus. C'est tellement, en fait, c'est tellement bas et c'est tellement une évidence que même ça m'emmerde de l'expliquer. Voilà. Juste, je veux vous dire qu'il se passe des choses. Voilà, je suis en train de me perdre et je comprends bien que ceux qui comprennent, comprennent, et ceux qui comprennent pas, c'est qu'ils... Ben, on peut pas leur faire comprendre, je crois. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo aura au moins permis de sauvegarder en partie cette carte. Alors, je suis désolé pour... Je suis désolé pour le peuple australien, hein, qui était derrière ma tête pendant toute l'histoire de l'humanité, qui s'est fait remplacer par ma tête. Et je suis désolé pour... toutes les civilisations américaines qui se sont fait disparaître en quelques instants par l'Espagne. Et je suis désolé aussi pour les grandes civilisations chinoises, japonaises, coréennes et indiennes, dont je ne connais pas l'histoire et dont je ne doute pas de la grandeur et de l'importance, surtout au vu de la continuité de certaines d'entre elles, notamment la civilisation chinoise, qui a une continuité assez impressionnante, en tout cas au vu de la carte qui m'est présentée et au vu de ce que moi-même je perçois de l'histoire chinoise. Peut-être qu'en interne chez eux, ils ont une autre vision aussi complexe et aussi violente, mais il me semble que l'histoire de l'Europe et de l'Europe qui s'étend vers le Moyen-Orient, c'est-à-dire cette zone-là de la carte, cette zone-là, est tout de même assez mouvementée, et c'est là que se sont passées une grande partie des frictions. Mais peut-être que c'est mon regard, mon regard occidental, mon regard de Suisse, qui perçoit plus les frictions dans cette zone, parce que je connais les enjeux, je sais ce qui s'y passe. Un peu comme je ne perçois pas tant que ça, même si je sais qu'elles étaient énormes, les frictions autour de l'an moins 1500, je ne perçois pas tant que ça les frictions, alors que je sais qu'elles sont énormes. Les Sumériens, les Hittites, les anciens Égyptiens, etc., c'était des frictions énormes. Mais puisque, quelque part, cette carte est presque une invitation à nous montrer à quel point on manque encore de culture. Je veux dire, chacun de ces événements, chaque fois qu'un petit point apparaît, c'est une histoire énorme. C'est une histoire gigantesque. Vous voyez, là, ça, à chaque fois que ça change, comme ça, hop, on passe de ça à ça, mais c'est énorme. Il se passe des choses énormes, dont on ignore bien souvent... alors, certainement que les historiens... Si on regroupait tous les savoirs de tous les historiens, effectivement, on a des connaissances, mais moi, personnellement, je manque encore de culture là-dessus. Je manque de culture sur l'Antiquité très lointaine. Et voilà, cette carte est formidable, voilà, cette carte est merveilleuse. Cette carte est merveilleuse, regardez l'Empire romain. Regardez comme c'est merveilleux, voilà, ça c'est merveilleux. J'ai aussi beaucoup loupé la chute de l'Empire romain, donc toutes les tribus germaniques qui descendent et qui s'installent, qui se mélangent petit à petit, et on voit là, c'est intéressant. Et vous voyez, c'est ça qui est incroyable sur cette carte, c'est que moi, il y a plein d'éléments que je souligne pas parce que je ne les connais pas. Mais regardez l'Empire romain. Là, moi, je connais parce que c'est autour de chez moi. L'Empire romain, vous voyez, BU. BU, c'est les Burgondes. Donc on voit que les Burgondes ont pris la place de l'Empire romain sur cette zone. Ils ont dit, maintenant, c'est nous qu'on a le pouvoir. Et regardez après. Regardez ce qui va se passer. Donc là, les Burgondes, tac, les Huns sont arrivés, et les Burgondes, maintenant, ils sont sous l'Empire romain et Burgondes. C'est-à-dire que les Burgondes, eh ben, ils ont fusionné à l'Empire romain. Ils ont dit, ok, nous, on veut bien être romains, mais sous des conditions spéciales. Donc là, ils sont entourés d'un petit trait, pour montrer que c'est quand même une séparation un peu, mais ils sont quand même sous l'Empire romain. Donc là, juste ce petit trait, hein, et il y en a partout, vous voyez, là il y en a, et tout du long de la carte, il y en a des petits traits comme ça qui indiquent des choses qui sont pas anodines pour le peuple qui était là. Les Burgondes voulaient vraiment rester Burgondes, mais donc ils ont négocié des choses, et donc ils ont commencé à fusionner, et ça fait partie des choses qui ont petit à petit miné l'Empire romain là en haut, c'est qu'il y a eu fusion de tout un tas de tribus, et évidemment l'Empire romain était beaucoup plus fragile, puisque beaucoup plus morcelé, et vous voyez, il suffit de pas grand chose pour que les Burgondes redeviennent indépendants.
et je sais pas si je l'ai évoqué, mais là se produit la bataille des champs cataloniques. C'est-à-dire que les Burgondes, les Alains, les Francs, je sais pas si les Francs ont participé, mais en tout cas les Alains et les Burgondes se mettent ensemble et repoussent les Huns. Et une des armées gigantesques de Burgondes et d'Alains repousse des armées gigantesques de Huns, alors qu'on est sur le territoire de l'Empire romain. C'est-à-dire que l'Empire romain a perdu la main sur les enjeux de ce qui se produit sur cette région. Et donc là, voilà, chute de l'Empire, complètement morcelé, les Ostrogoths qui vont piller Rome, et là c'est chute de l'Empire d'Occident, les Visigoths en Espagne, les Vandales en Afrique du Nord, Vandales qui sont descendus tout le long, qui sont descendus de là, qui ont passé par l'Espagne, qui sont remontés par là, et qui vont remonter plus tard par là, en partie. Et voilà, donc voilà, chute de l'Empire romain d'Orient, d'Occident, pardon. Et l'Empire romain d'Orient continuera, il se transformera en Empire byzantin, puis jusqu'au moment où il deviendra si petit qu'il ne sera plus que Byzance, pratiquement, plus qu'une partie de la Grèce est Byzance, là. Et à un moment, là, on le voit, il reste un tout petit point d'une autre couleur, là, entouré par les Ottomans, c'est Byzance, donc l'ancienne capitale de l'Empire romain d'Orient, qui tombera entre les mains ottomanes. Ottomans qui, plus tard, tenteront d'envahir la Hongrie. Bon, je vais pas recommencer l'histoire, là. Voilà. Donc, j'espère que, voilà. Regardez les civilisations Inca, Maya, etc., qui naissent là. D'ailleurs, c'est intéressant pour voir à quel moment elles naissent, parce que souvent, on a du mal à les replacer historiquement par rapport à nous, vu qu'elles sont éloignées géographiquement, on ne sait plus trop à quel moment ça correspond. Alors que vous voyez, par exemple, la naissance de l'islam, on arrive à se dire « Ah bah, il se passait ça en Europe au même moment », et quand on se demande « Qu'est-ce qui se passait en Amérique en même moment ?», on ne sait pas. Bon, également, pareil pour la Chine et l'Inde. Ma foi, je suis désolé pour vous. Si vous connaissez cette culture, vous n'avez qu'à faire la même vidéo, vous commentez les événements. Voilà, bon, j'espère que... Voilà, c'est fini, voilà, j'arrête. Au revoir à vous, bonne continuation, bonne écriture des cartes pour le futur. Au revoir.